Oh, ça va être relou de ouf. Bon, salut tout le monde, on est avec Wukong pour une partie complète encore une fois. Il y en a un qui me contre. Ah, what? Oh yes! Oh yes! Alors, oui, du coup, pourquoi Wukong? En fait, je le joue différemment. Avant, j'essayais de m'adapter au champion adverse, à l'équipe, etc. Finalement, je le fais tout le temps de la même façon. Je le joue tout le temps en mode one shot. Vous allez comprendre. C'est pour ça que je joue avec Ignite. Je joue un peu comme un Kayn mid en fait. Hop! Et du coup, c'est une Karma top. C'est bien ce que je pensais. Ça va être. Il y a un genre de sustain en fait avec ses liens, etc. Mais franchement, je préfère ça qu'un Panthéon. Après, il faut que je fasse attention au gank quand même. Alors, au début. Là, je peux pas trop vous montrer, ça dépend des champions, mais genre, quand c'est easy peasy, style Nasus ou des trucs comme ça, vous pouvez être agressif, mais sinon, juste farmez le Dractar, les bottes de mobilité et amusez-vous. J'attends mon niveau 3 pour avoir le clone, parce que j'aimerais faire proc mon Thunderlord. Elle a deux potions. C'est vrai qu'elle a deux potions, contrairement à beaucoup de top laners qui en ont normalement plus. Voilà, là, je suis niveau 3. On va faire proc le petit Thunderlord. Voilà, c'est bien. Elle perd des. Ah putain, j'ai même pas vu mon jungler! Oh putain, ok, d'accord, il faut que je me reconcentre là. Je me demandais pourquoi elle se barrait encore une fois. Elle joue avec quoi? Elle joue avec téléportation. Parce qu'en fait, là, vu qu'elle joue avec téléportation, si je fais Flash Ignite et que je la tue pas, j'ai perdu ma laning phase. Et mon jungler, il faut absolument pas qu'il me prenne le kill. Là, elle va vouloir, elle va vouloir tout ça. Hein. Ok, c'est parfait. Et ward ici, c'est encore mieux. Là, je vais la flash E bientôt là. Flash au Q. Là, le problème c'est que si Panthéon arrive dans ce timing là, je suis mort. Ok, c'est bon. Là, elle est sous tour, je peux plus la tuer. Quoique. Quoique, en fait, je la tue. J'ai flash tout de suite pour pas me prendre trop de dégâts. Elle va TP dans 10 secondes. J'aimerais juste avoir le canon avant qu'elle se TP dessus. Putain, merde, je t'ai pas vu. Ok, elle va vouloir TP sur lui. Non, c'est bon, ok, parfait. Elle va TP sur sa tour. Ah, je peux pas TP là, elle a sa ward. On va se mettre là. Ok, du coup, on a un kill. J'ai pris une épée longue pour justement rush ça, pour avoir de la peine. Bah, de la létalité, ça va pas être dégueulasse. Mais je vais devoir back là. Mon Dractar il manque quoi là? C'est 900, 1100? Ok. Ouais. Ah ouais, je me casse. Je me casse, je me casse. Et merde. Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Pfff, fais chier. Ah, fais chier, j'aurais pas dû rester pour grid là. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Je déteste ça. Il te manque quelques gold. C'est ultra, ultra relou. Et tu fais l'erreur. Là. Par contre, c'est très bien qu'elle ait TP. Maintenant, on va pouvoir la défoncer. Elle a déjà beaucoup d'armure en fait. Par contre, il est en train de faire le dragon. Je vais essayer de le tuer là. Ouais, ils sont en train de faire le dragon. Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. Vite, 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 vite. Bon, elle, je vais la tuer déjà. Ah putain, je peux pas. Okay, on la tue vite fait. Petit shutdown. J'ai un petit peu foiré mon combo. Hein. Pas vous mentir que j'ai un peu foiré mon combo. On se casse tout de suite, je connais pas les infos sur Panthéon ult. Donc, je vais prendre mes bottes là. Ça va être beaucoup plus simple à l'engager en fait. Ok, mais attends, elle fait la folle là. Est-ce que je suis vu ici? Non, ok. J'ai pas pris de risque, hein. J'ai vraiment pas pris de risque avec son shield, ça m'aurait fait chier. Panthéon et mid, le blanc, je sais pas où elle est. Je vais essayer de push un peu là. Je l'aurais pas. Je l'aurais pas, je l'aurais pas. Ah, quoique, putain, j'ai pas vu le minion ici. Fuck. Je back. Il y a Panthéon qui arrive. Ça a presque marché. Ça a presque marché.
Non, j'aurais pu. En fait, je sais pas pourquoi. Je crois que là, le bout de ça a caché un de mes minions. J'aurais pu la terminer en fait. Bon, du coup, j'ai le seum. On a les bottes de mobilité. Vous inquiétez pas, c'est. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez être vraiment en 0-8. Un peu comme Kane. Et vous avez quand même les one-shot. De toute façon, on s'en fout. Panthéon. Ah, par contre, elle est en train de prendre de l'armure là. Ça, c'est casse-couille par contre. Putain. Elle a 10 stacks! En vrai, je vais assez vite. En vrai, je vais assez vite. Ça, c'est juste pour la faire chier. On se met derrière les minions pour pas qu'elle me Q. Ça a quand même marché. Ouais. Ah putain, mais casse-couille. Ok, il va super vite, hein. Il est des bottes de mobilité. Ouais, okay. Comment on va jouer? Mais fonce-toi! C'est quoi ce Jarvan? Je suis... Ok, c'est chaud, hein. Ça va être vraiment chaud. Il y a peut-être quelqu'un dans le buisson, ouais, c'est bien ce que je pensais. Je savais que il y avait au moins une personne, mais je pensais pas me faire tuer en fait, malheureusement. Et ça, mon équipe ne l'a pas vu. Pas mal l'ultime de Lulu là. En vrai, pas mal l'ultime de Lulu. Ok, c'était pas dégueulasse. J'ai gagné du temps sur la Leblanc, on va dire. Putain, le heal, GG, ça joue bien là. Allez, coq! Ok, il tuera pas. En vrai, c'est gagnable, c'est gagnable. Il faut juste que je me stuff, coup près noir et tout. Ange gardien, et ça va être génial. En vrai, c'est gagnable, en vrai. Ça va pas vraiment aider là. Hein. Non mais engagez pas quand je suis pas là! Putain! Bon, du coup, je me reprends la Leblanc dans la gueule. C'est pas mal. En fait, j'ai cru que c'était le clone de Leblanc. Je sais pas pourquoi elle était là. Parce qu'elle fait complètement perdre son équipe. Et là, je vois la chaîne partir et me faire des dégâts. Je suis comme. Ah! Du coup, c'est pour ma gueule. Parce que là. Elle devrait aller chercher le cog en fait. Je sais pas pourquoi elle va sur moi. Après, c'est bien aussi qu'elle aille sur moi. Hein. Je dis pas qu'elle joue mal. J'ai juste pas compris son positionnement en fait. Donc tout va bien. On fait gagner du temps sur la Leblanc ultra fed. C'est une bonne chose. Moi j'ai encore Flash Ignite en plus. C'est très très bien ça. Et si on se cassait? Pas du tout. Je l'ai pas du tout. Bon, ok, de 1. On teste les dégâts, hein. Tant qu'à faire, moi je meurs pour rien. Ils sont en train de troll, hein. Ils font n'importe quoi. Hein. Un petit bouclier sur. Ah, oh, dommage. C'était un peu tué comme une merde, lui. Nice! Je suis un putain de bouc émissaire. Il m'aurait fallu un skin mouton là pour le Wukong. Je me permets de bug parce qu'il se passe rien sur la carte. Bah je parle. Allez, ça c'était gratuit. Ouais, tu voyais, mettez un 3 quarts sur une Leblanc ultra fed. Ça fait chier, putain, j'ai quand même la prendre ça. Et on lui a fait peur. J'y vais pas, ça suit pas. Là, on peut y aller là. Jarvan, tu m'as enculé avec ton putain. Non, c'est bon, ça s'est bien passé. Voilà, on joue tranquille. En fait, on attend les erreurs des gens. Parce que vu qu'on a la vision, ils vont chercher la vision. Et ils vont potentiellement faire des erreurs.
Ah, elle a réussi à la stun. Ouais, j'ai plus assez de points de vie, là, je fais n'importe quoi. Pas assez de vision. J'aimerais bien mieux les zoner, mais bon. On fait claquer des sorts, c'est plutôt cool. On fait juste gagner du temps, là, on les zone, en fait. Ça sert à rien que je sois au baron. GG. En vrai, la game est cool. On a vu que je faisais des erreurs, on voit les trucs et tout. J'ai pas spécialement bien joué. Après, le seul souci, c'est qu'on est contre une Karma top. Du coup, j'ai pas vraiment pu vous montrer ce que ça donnait. Contre un vrai top laner, Breezer, Steel Jax et tout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas tilt. Il faut se dire que vous allez vraiment carry après, en fait. Genre là, la Tristana, en fait, tu vois, s'ils ont pas d'armure, je les one-shot presque. Ça a forcé la Tristana à prendre de l'armure, des bottes et tout, Tabi Ninja. Je vais un petit peu split. Je vais pas continuer le split, parce que mon équipe est plus là. Ça, normalement, ça doit être logique pour vous. Ça sert à rien de mettre de la pression quelque part, alors qu'il n'y en a plus ailleurs, par votre équipe. On va finir par l'Ange Gardien, on a dit. Syndra, je pense qu'en un spell, elle finit tout. Je fais attention. Panthéon n'est pas là, il va pouvoir faire son ultime. Ouais, go. Ok, bien vu. Tu vois, là, Jarvan, il a eu une bonne vision. Il a vu sur la carte. C'était cool. Et là, on peut tous les tuer. Non. Non. Putain, non. Fuck. Ça aurait été mon putain de premier pentakill. Mais Starfoula, il était trop beau en plus, putain. Non. Non. Bon bah GG. Alors au niveau dégâts, bah, on n'a pas été ouf, parce qu'on n'a pas été très très présent dans une teamfight, et Kog'Maw a vraiment fait le taf. Bon, finalement la Syndra a plutôt bien joué à la fin. Bah écoutez, c'était cool. Je vais essayer de vous refaire du Wukong. En vrai, c'était cool. En vrai, c'était quand même une game plutôt sympatoche. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est ça. Merci et à la prochaine. Ciao les gars.